Eh hey, bonjour tout le monde. Alors oui, je sais, les vidéos d'annonce c'est hyper chiant, tout le monde déteste ça parce que ça sert à rien. Oh mais qu'est-ce que ça fout là? Mais bon, aujourd'hui, il faut que je vous fasse une vidéo parce que ça ne va plus, ça ne va plus. Si vous l'avez remarqué, ça fait quoi, 2 mois? Oui, on va dire ça, 2 mois que j'ai fait aucune vidéo sur cette chaîne. J'ai environ, alors attendez que je regarde. Bon, oui, disons une, deux, trois, quatre séries en cours, on va dire ça, très bien. 4 séries en cours, pas du tout terminées, pas du tout n'importe quoi. Il y en a qui sont là depuis 6 mois qui... c'est pas ce qui se passe. Et vous aussi, peut-être vous vous demandez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que depuis beaucoup de temps, je réfléchis à l'avenir de qu'est-ce que je suis en train de foutre sur cette chaîne. Et c'est quoi ce bordel? Enfin, parce que jusqu'à présent, j'ai juste fait tout ce qui me passait par la tête dessus. Ça marchait pas, je sais pas. Mais bon, voilà. Enfin, je veux dire, premier truc, c'est que... tout ce qui est de jeux vidéo sur ma chaîne, ce qui est devenu le truc principal quand même, dessus, ça m'a saoulé. Je me suis dit, ça suffit. Il y a tout le monde qui fait ça. Ça commence à me saouler. J'ai commencé à faire ça parce que je me disais, ah, ça a l'air cool. Ça rapporte des vues. Ok, allez, ça va faire monter un peu ma chaîne. Bon, ça l'a fait monter un peu, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment le but pour lequel j'ai fait cette chaîne au départ. Au départ, c'était juste pour... je sais pas, pour partager mes créations au monde, vision artistique, ce que vous voulez. Mais quand on y réfléchit, enfin genre, je sais pas, faire des DLP, des trucs, ça a pas trop d'intérêt, surtout dans la mesure où c'est fait par beaucoup, 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 trop de personnes. Et je vois pas pourquoi je continue de faire ça, même si j'ai toujours essayé de rester dans l'originalité. Ça devient un peu dur maintenant, enfin ça l'était déjà quand j'ai commencé un peu, même si quand j'ai commencé il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, ça devient vraiment, c'est plus la peine. Et bon, ça m'a rapporté, j'ai beaucoup de vidéos sur Minecraft, par exemple, qui m'ont rapporté beaucoup de vues. Mais bon, enfin, je sais pas, c'est pas mon trip en fait. C'était pas, je les ai faites, mais pff, ça me bandait un peu en même temps. Voilà, enfin, sur le coup, ça me paraissait cool, mais après, ça me bandait un peu. Voilà, je vais être franc. Aujourd'hui, je suis franc, hein, je déclare tout. J'essaie de faire le plus vite possible parce que les vidéos, non, c'est assez chiant. Et je vais vous mettre sûrement une image pourrie en fond parce que j'ai rien d'autre à vous mettre. Ouais, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette chaîne vu que l'essentiel est basé sur les vidéos et vous dites que ça commence à me bander. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi, il nous laisse tomber maintenant, oui. Mais non, parce que à la base, je voulais juste faire des vidéos. Enfin, ça a commencé, cette chaîne a commencé avec des... vous dire, il y a très 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 longtemps, une période très sombre et ancienne, ça a commencé avec des vidéos, des briques films, des vidéos sur les Lego que je continue. J'en ai fait un d'ailleurs il y a, que je regarde, il y a 4 mois, voilà. Qui a pas, voilà, il a été, oui, moyennement apprécié, je sais pas. Et au départ, c'est pour ça, je me suis dit, tiens, je vais faire partager ça au monde. Bon, au départ, évidemment, j'avais 10 ans quand j'ai commencé, c'était de la merde. Mais bon, voilà. Après, j'ai commencé à faire tout ce qui me passait par la tête, et les jeux vidéo et tout ça, c'est venu après parce que j'ai vu que ça marchait, donc bon, pourquoi pas moi? Mais non, enfin, alors, je vous dis pas qu'il y aura plus jamais de vidéos sur les jeux vidéo sur ma chaîne, parce que le machinima est un concept qui m'attire quand même pas mal. Sachant qu'on peut quand même faire des trucs qui peuvent être pas mal. Mais voilà, après j'ai la flemme. Enfin, j'avais fait, c'était un peu une machinima que j'avais fait sur Napoléon Total War, mais je sais pas en fait. Je me dis, je vais peut-être pas le continuer parce que c'est un peu répétitif. C'est un peu toujours la même chose. Alors, une fois c'est bien, tu sais, de mettre en scène le truc, mais y a pas, c'est pas, ça manque un peu de profondeur de trucs. Tu vois, juste des gens qui se battent. Alors, tu peux mettre ça avec des effets swaggés, mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Alors c'est pas dit que je continue, je crois que j'en ai tourné un il y a pas très longtemps, mais je sais pas si je vais le monter. Enfin, j'ai commencé à le monter, mais je sais pas si je vais le finir, peut-être, on verra. Aussi, oui, il y a pas longtemps, j'ai commencé un premier épisode sur un tuto sur Flight Gear. Bon, le problème c'est que depuis, en fait, je me suis acheté Microsoft Flight Simulator et Flight Gear, j'ai un peu laissé tomber parce que... certes, c'était un bon simulateur étant gratuit et open source, mais bon... les graphismes sont à chier, on va être franc quand même, de moment. Mais la simulation est quand même assez bien. Et j'avoue que ce serait quand même... j'aimerais quand même bien finir ce tuto, même si je suis pas forcément très motivé, juste pour, je sais pas, apporter un peu de... apporter aux gens qui veulent se mettre là-dedans, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de tutos en français. Bon, en même temps, c'est un jeu indé, puis t'as Microsoft Flight Simulator, c'est un peu le même principe, c'est simulateur de vol. Mais je sais pas. Peut-être je le continuerai. Faut que j'ai la foi.
Franchement. Franchement, je suis dans une période de ma vie de grande flemme, hein. Je vais pas vous cacher. Bon, je sais pas, vous avez peut-être remarqué, hein, parce que je fais pas beaucoup de vidéos quand même. On va compter en un an, j'en ai fait, allez, il y en a combien là? 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai dû en faire 20, 24, truc comme ça, 25, en un an, c'est pas beaucoup. Surtout que c'était pas des trucs franchement très très. Voilà. Mais bon, pour vous dire, donc sur cette chaîne, les LP c'est fini, ça c'est sûr. C'est sûr à 100%, hein, l'LP quel qu'il soit. Les films Lego, alors oui, je suis en train de réfléchir à un scénario d'une série avec des Lego, parce que franchement j'aime ça, que je trouve que ça rend pas mal et c'est plus fin. Voilà, pour encore être franc avec vous, je prévois de travailler plus tard dans le cinéma et tout ça. Et même si c'était, qu'est-ce que je fais? C'était pas prévu au départ, bah ça va être comme ça finalement. Enfin, quand j'ai créé cette chaîne, j'avais quoi, 11 ans, je pensais pas du tout travailler là-dedans, même si je faisais déjà des vidéos. Enfin voilà. Mais voilà. Et j'ai vraiment envie de créer un peu des, je sais pas, de m'avancer un peu dans des scénarios un peu stylés, tout ça, essayer de faire un truc un peu bien. Bon après le problème c'est que niveau tournage et tout dans la vraie vie c'est un peu chiant parce que faut les moyens, faut des gens pour tourner, c'est compliqué. Et les Lego, c'est pas mal, ça prend du temps, ça prend même, je dirais, plus de temps qu'un tournage IRL. Bon, ça dépend, parce qu'en même temps, avec des Lego, tu peux faire des scénarios, tu peux faire des scènes d'action assez facilement, alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Et je pense que je vais continuer, parce que ça me plaît bien, le rendu est pas trop trop mal. Et voilà, ça peut être stylé, puis ça peut vous plaire aussi, enfin, on verra. Mais déjà, j'ai une petite idée d'histoire qui pourrait être sympa à faire en Lego. Enfin, faire en Lego, ça peut faire être chelou comme ça, mais je pense que ça peut rendre bien. Après, je peux pas vous dire si je le mènerai vraiment à bout. Je peux pas vous dire quand je sais ce que je le sortirai parce que ça prend beaucoup de temps et comme je vous le dis, je suis dans une période de flemme assez grande quand même. Hein. Oui, ouais, là, la flemme, là, ouais. Bref, puis il faut que je bosse aussi parce que le lycée, tout ça, c'est chiant. Mais bon, ça, c'est pas vos affaires. On est sur YouTube. Pas inutile dans la vie privée des gens. Faut pas faire ça. Donc voilà, je crois que c'est à peu près dit tout ce qu'il fallait, un peu dans le désordre parce que j'ai rien préparé, j'ai fait ça à l'arrache parce que je me suis dit bon ça suffit, ça fait quelques temps que je voulais faire une vidéo annonce parce que ça va pas du tout, pour que vous sachiez un peu ce qui se passe. Donc je laisse pas tomber la chaîne, non, parce que c'est toujours utile. Et je voilà, peut-être je ferai des machines IMA, peut-être je continuerai ma série quand même, finirai peut-être ma série sur Flight Gear, enfin je la continuerai parce que déjà la finir c'est loin. Parce que j'ai fait que l'épisode 1. Et donc ouais, c'est une série de petits films Lego. Je sais pas, ça peut être sympa. Et puis, enfin voilà, même si c'est pas forcément le truc qui rapporte le plus de vues, je m'en branle parce que de toute façon, j'ai jamais activé la monétisation sur YouTube. Enfin si, mais jamais, ça m'a jamais rien rapporté parce que j'ai pas de compte. Bref, c'est pas, on va pas rentrer dans les détails. Mais ça me rapporte rien. Et puis, je veux dire, au départ, j'ai fait cette chaîne pour mettre ce qui me plaît dessus. Si ça plaît aux gens, bah pourquoi pas, c'est bien. Sinon, bah tant pis. Et si, bon. Je sais pas, il y a toujours des gens, ça peut toujours plaire à des gens, écoutez, je le mets, si ça vous plaît, bah c'est tout bénef. Voilà, c'est tout. Peut-être que vous êtes un peu déçus, je sais pas. En même temps, bon, on n'est pas une communauté de fous non plus, hein, on est quoi? Allez, en ce moment, là, je regarde, on est 435 abonnés. Bon, ça va, ça a quand même pas mal monté, c'est vrai. Mais c'est pas une communauté de fous, hein. Bon, j'ai jamais rêvé non plus d'une très grande communauté. Après, si on peut en avoir une, pourquoi pas? Si voilà, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, qui sont intéressés par la brique film, bah regardez si de nouveau au courant, si vous aimez ça peut être sympa, voilà. Bon, finalement je voulais faire un truc court, mais je sais pas, ça fait combien de temps? C'est peut-être un peu longtemps déjà là? Ouais, on va stopper tout de suite cette vidéo parce que vous faites grave chier, waouh! Ok, allez, à plus tout le monde, on se revoit peut-être bientôt, bah, ce serait cool. Et écoutez, voilà, restez connectés, regardez un peu de temps en temps. Je sais pas, ne vous désabonnez pas simplement par rage ou par réaction simple et bête. Voilà. Et oh oui, bien sûr, un truc qui est complètement fini, c'est Minecraft. Mais forcément, vu que j'ai dit que la LP c'était fini. Après, bon, peut-être qu'un jour je reprendrai parce que c'est vrai que Minecraft offre des possibilités de machinima assez bien. Mais bon, je sais pas, ça me dit rien. Puis voilà. Bon, allez, ça dure beaucoup trop longtemps, on s'arrête tout de suite, je vous dis à plus, et voilà, j'espère que ça n'a pas trop fouillé cette vidéo, que c'est pas un peu, ça va être un peu le bordel, hein. Ouais, bon, bah écoute, de toute façon, je suis tout le temps bordélique, qu'est-ce que vous voulez, je suis tout sur des coups de tête, je ne peux pas faire autrement, ça sera toujours comme ça sur cette chaîne, bon, donc voilà,
Je te laisse pas tomber la chaîne, mais je sais pas quand ça sortira. Mais bon, c'est sûr, ça sortira pas dans des rythmes très réguliers et très proches, parce que c'est des briques films, ça prend beaucoup de temps. Allez, ça suffit, à plus tout le monde. Ciao.